être sûr de nous voir honte. Rafim Chambarski. Passage tête. Assaut. Les choum ish les kabel à la tsmouman higout. Personne n'a le droit de recevoir, c'est-à-dire de se présenter comme étant un dirigeant du Ham Israël. Il a imken emunato shlema v'amitit. À moins qu'il n'ait une foi complète et véritable. Achim humamim chaz v'shalom bedvarim shemiderech haTorah asur la'amin b'hem. Si quelqu'un il a foi dans des choses qui sont interdites par la Torah d'avoir confiance dans ces choses-là, afalpi shemamim gam b'hashem idbar. Même si il a confiance aussi dans Hakadosh Baruch Hu, asuru b'manigut b'shel deot kozvot shebo. Il n'a pas le droit de diriger le Ham Israël parce que il a des notions en lui qui sont fausses. Mikan anu lomidim ki mi sheyesh bo emunot kozvot asur lo liyot gam manig al atzmo. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas une foi qui est complète, c'est-à-dire qui est propre, qui est pure, c'est-à-dire qui croit dans des choses qui sont interdites, aussi par la Torah, alors il ne doit pas se diriger lui non plus. Il n'a pas le droit de se comporter d'après ce que lui pense et d'après ce qu'il ressent. Parce qu'il a en lui des choses qui sont fausses. Même si quelqu'un il pense qu'il veut diriger le Ham Israël, si quelqu'un il pense que lui il va avoir pitié du Ham Israël, il veut aider le Ham Israël, c'est pour ça qu'il veut le diriger. Pour qu'il sache que ce qui l'intéresse c'est les honneurs. Et il a de l'orgueil. Assur le kabel shumanaga, donc il n'a pas le droit de recevoir aucun poste de direction du Ham Israël. Valide manigim kaele magim la pikorsut. Chas v'shalom, à cause de dirigeants comme ça, on arrive à de l'hérésie. Aval mina shamayim en matirim et amanigut bidei elou le orech zman. Mais du ciel, on s'arrange que ces gens-là, ils puissent pas avoir ce poste-là de diriger le Ham Israël pendant longtemps. Parce que leur influence est néfaste sur le Ham Israël. Alors ce qu'il veut dire ici, ce conseil-là qu'il donne ici, c'est quoi? Ça veut dire que maintenant, au niveau individuel, au niveau général commun individuel, tant que quelqu'un voit qu'il n'a pas une foi complète et pure dans Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il croit dans d'autres formes aussi de réussite sur terre, ou il y a d'autres choses dans lesquelles il s'investit à part la confiance dans Hachem, sa confiance dans Hachem n'est pas totale. Même sur lui-même, il n'a pas le droit de se diriger lui-même, parce que quand il va se diriger lui-même, il va avoir aussi des erreurs dans le comportement, parce qu'il ne saura pas quelles sont les choses importantes et pas importantes, puisqu'en lui-même, il croit dans des choses qui ne sont pas vraies. Il n'a pas une émouna pure dans la Kadosh Baruch Hu.